Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Permettez-moi de jouer un peu mon Jean-Paul II. Il faut avoir de l'ambition. France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême ? Disait-il quand vous n'étiez pas née, en tout cas la plupart d'entre vous. De quel baptême s'agit-il ? On vient d'entendre ce récit de la première lecture avec les Samaritains qui ont reçu le baptême, mais qui n'ont pas reçu l'Esprit Saint. Il y a donc un baptême sans Esprit Saint. Oh, il y a le premier baptême, le baptême de Jean, le baptême de la conversion, ou quelqu'un qui veut changer de mœurs. Mais enfin, on le trouve dans à peu près toutes les religions, celui-là. Pas forcément d'une façon sacramentelle, mais des hommes et des femmes qui veulent vraiment changer de vie, qui rejettent les œuvres des ténèbres. On le fait d'ailleurs à Pâques, hein. Renoncez-vous au mal, renoncez-vous à ce qui conduit au mal, renoncez-vous à Satan qui conduit au péché, l'instigateur du péché. Oui, j'y renonce, vous l'avez dit, la main sur le cœur, le cierge allumé. Mais ça ne suffit pas. Ça continue, il y a un deuxième baptême, même si l'Église catholique n'est pas très à l'aise avec cette expression de plusieurs baptêmes. Il n'empêche que dans l'Écriture, elle existe, et puis le pape François l'a utilisé dernièrement. Il y a le baptême que nous avons reçu, le baptême dans l'eau et l'esprit, dans le feu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il semble, quand on regarde l'Écriture, par deux fois, là, dans Acte 8, avec les Samaritains, et puis ensuite, en acte 19, avec les Johannites d'Éphèse, les Éphésiens, des hommes qui ont reçu un baptême et qui disent « Mais nous ne savions même pas qu'il existait un Esprit Saint. Nous ne savions pas qu'il existait un Esprit Saint. » Et là non plus, ils ont été baptisés à tel point que vous l'avez entendu, Pierre et Jean sont obligés de faire un petit voyage apostolique et d'aller imposer les mains. En fait, c'est un petit peu le détecte de base, plus ou moins, de la confirmation. On est baptisé enfant, puis après on reçoit l'Esprit Saint qu'on a déjà reçu au baptême, mais qu'on le re-reçoit voilà, au moment de la confirmation, d'une autre façon, de façon à aller en mission, etc. Mais justement, hein, de quel baptême la France a-t-elle été baptisée ? Il n'y en a qu'un seul, rassurons-nous. Mais quel aspect a-t-elle privilégié ? Celui de l'annonce de la foi, de la connaissance du Christ ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Le Christ qui est mort pour nous, lui, de condition divine. Vous avez entendu aussi dans la deuxième lecture, il dit « Soyez toujours prêts, hein, à tout moment, à présenter une défense devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Et c'est vrai que votre terre, notre terre, est une terre de missionnaires. Combien de jeunes, combien de missionnaires, hommes et femmes, sont partis au loin pour annoncer l'Évangile, pour vivre l'Évangile. Chez nous, des hommes, des femmes, dans mon pays, comme Anne-Marie Javoué, cette femme qui, bien avant Victor Schercher et tout le monde, a libéré les esclaves. Malheureusement, il n'y a pas une seule rue à son nom dans nos contrées, on l'a oubliée. Est-ce que c'est parce que c'est une religieuse, une chrétienne, ou parce que c'était une femme ? J'en sais rien. On va commencer à militer, vous allez voir. Quoi qu'il en soit, c'est à la gloire, n'est-ce pas, de votre pays, de la France, qui est le nôtre, d'avoir témoigné de ce baptême. Le baptême de ce Jésus qui est mort pour nous, lui qui a commis aucun mal, lui de condition divine, qu'on a attrapé comme un brigand, à qui on a fait un faux procès, qu'on a choisi pour mourir à la place de Barabbas, le criminel. On a dit du mal de lui, exactement comme il est écrit dans l'Évangile et comme l'Église vit. Ce que l'Église vit, Jésus l'a vécu, les serviteurs ne sont pas plus grands que le Maître. On l'a attrapé, on l'a cloué sur une croix, on l'a craché sur lui, injurié, et quand il a pardonné à tout le monde, après qu'on lui ait donné du vinaigre, comme si ça ne suffisait pas, on lui a transpercé le cœur. Dans quelques semaines, ne l'oublions pas, le vendredi de la troisième semaine après la Pentecôte, on va fêter le Sacré-Cœur. On lui a transpercé le cœur. Il a donné son cœur pour... Et ce sang et cette eau qui a jailli de son cœur, oui, la France, elle n'est pas la seule, la France l'a reçue. Et beaucoup de peuples l'ont reçue aujourd'hui. Mais, et je voudrais en témoigner devant vous, ce baptême s'accomplit, comme on l'a vu dans l'Écriture, comme le Christ vient de nous l'annoncer. Vous gardez mes commandements, c'est bien. Et c'est tout à votre honneur, et je voudrais donner réponse un petit peu, 30 ans ou 40 ans après, à la question de Jean-Paul II.
En étant un Français entièrement à part et à part entière, les Français d'outre-mer, c'est comme ça qu'on se définit. Témoignez de la beauté de votre Église, malgré le tsunami, préparé d'ailleurs malheureusement aussi en France, d'athéisme, d'horreur sur l'Église, sur la foi de l'Église, sur l'Évangile tout court. Malgré les puissants moyens, les armes de distraction massive qui sont liguées contre nous et contre la foi, vous êtes là. Vous êtes là, debout, et vous tenez. J'ai toujours été admiratif de cette Église de France dont on dit qu'elle est en déclin, alors que je n'ai vu, au contraire, que des germes de missionnaires, ceux d'antan et ceux d'aujourd'hui, peut-être purifiés par le feu, comme dit aussi l'Écriture d'ailleurs, le feu des épreuves, le feu de la diminution, peut-être du nombre de catholiques, des critiques, la dureté aussi de vivre tout simplement l'Évangile. Je me rappelle, au jour de mon adolescence, lorsqu'un prêtre nous a dit « Aujourd'hui, c'est facile d'être un saint. Avant, il fallait partir en mission. Avant, il fallait partir au loin. » Vous savez que les missionnaires, quand ils arrivaient au Japon, ils avaient une durée de vie de 24 heures promise. Ils se préparaient pendant 4 ans, 5 ans, 10 ans à partir. Ils savaient qu'ils allaient survivre 24 heures avant d'être martyrs. Aujourd'hui, le martyr, il est au travail, parfois même en famille. Il est à la porte. Il faut témoigner du Christ et ce n'est pas facile. Tout nous tombe dessus et pourtant, vous êtes là et vous tenez. Demandons donc au Seigneur de nous renouveler profondément dans ce fameux baptême de l'Esprit-Saint, qui n'est rien d'autre que le renouvellement de notre propre baptême, de notre confirmation. En réalité, c'est un événement qui n'a pas de fin. La Pentecôte que nous allons célébrer dans quelques jours, dans deux semaines, en fait, elle est déjà présente, elle est déjà là. On va redonner un petit coup de, comment dirais-je, redémarrer. Enfin, le vin est déjà sur la table, on a déjà bu la moitié du pichet, il suffit de reprendre un verre. Alors, encore un petit verre, boire un petit coup, c'est agréable. Eh bien, allons-y pour la Pentecôte. Mais attention à la suite. La suite, c'est l'annonce du kérigme, c'est le témoignage de l'espérance qui est en nous. Et je pense, pour répondre à Jean-Paul II à travers les âges, que cette France a gardé son baptême. Vous en êtes les témoins, vous n'êtes pas le seul. Elle l'a gardé aussi outre-mer, Dieu merci, j'en suis le témoin. Elle a gardé son baptême, il a été purifié ces dernières années, ces dernières décennies. Et le monde vous attend, le monde nous attend. Comme ils attendent Pierre et Jean qui partent en Samarie, comme ils attendent les disciples au sortir du Cénacle. Le Cénacle, il est là, ici, dans cette église. Et le monde, il est juste à l'extérieur. Il est dans nos banlieues, nos campagnes. Il est aussi à l'étranger, mais à chacun son travail. Simplement de témoigner de la foi, d'être fou, de boire le vin doux et d'être ivre de l'Esprit Saint. Voilà là où le Seigneur nous attend et vous attend. Amen.